salut les amis. Coach salut, salut à tous. Avec nous ce matin pour parler de cette prolongation officielle. Donc depuis hier, on attend évidemment vos, vos appels au 32-16. Coach, première question est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce que comment on peut euh, on peut voir cette prolongation de Didier Deschamps à l'équipe de France, sur bah, de de France bah Déjà, je ne sais, sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai toujours l'habitude de me mettre un petit peu à la place des des, des gens quand il y a un problème ou quand il y a une décision à prendre et entendre Didier dire qu'il est très content de prolonger avec l'équipe de, de France. Il faut se mettre à, à, à sa place. J'ai eu le plaisir de connaître le métier d'entraîneur. En, Je vois très bien la différence qu'il peut y avoir quand on a goûté au métier d'entraîneur, comme a pu le faire Didier, et qu'on a goûté après au métier de sélectionneur qui est totalement euh, diff différent. Il ne faut pas être surpris que Didier soit content d'entraîner et d'être le sélectionneur de cette équipe de, de France. La différence qu'il peut y avoir entre les deux métiers rapidement. Tu es entraîneur, tu as une trentaine de joueurs, tu as les matchs tous les trois jours, tu en as quatre ou cinq qui t'emmerdent dans, 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 dans le vestiaire, Donc, euh, que tu aimerais ne pas avoir, mais malheureusement, ils sont sous contrat, il faut les garder. Là, tu es sélectionneur, tu prends qui tu veux. Si tu as un qui t'emmerde, tu ne le sélectionnes pas. Mmh. Donc, c'est un métier extraordinaire, tu as une douzaine de matchs par an contre 60 si tu es, si, si, si es entraîneur. Donc que Didier soit, 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 soit très heureux, ben, il faut se mettre à, à, à sa place, on, on le saurait tous et pas seulement pour 4 ans, même s'il pouvait signer euh, 8, 8 ans, ça serait une très bonne nouvelle pour lui. – Oui, il remplit d'ailleurs jusqu'à 2026 parce que c'était sa volonté à lui, hein. Noël Legrette voulait le prolonger jusqu'à 2024, jusqu'à l'Euro, euh, c'est Deschamps qui voulait euh, aller jusqu'à 2026, il a raison donc… Euh... – Mais là aussi il faut se mettre à sa place. Mettre, ah oui. Il faut se mettre à sa place. Il aurait, il aurait pu même essayer de voir s'il n'y avait pas la possibilité d'aller encore au-delà. Ouais, d'aller ouais. au-delà, au, mmh. au, au, au puisque bon, 4, 4, 4 ans, c'est quand même beaucoup. Euh, la, le championnat d'Europe, c'est quand même euh, une dernière. Euh, allez, mou, mou, mauvais, mauvais souvenir. Donc il euh, y a aussi ce mauvais souvenir qui a la possibilité, dans un an et demi, et un an et demi, ça, ça, passe, ça, passe, ça passe très, très, très vite de pouvoir réparer un petit peu ce qui s'était passé ma, ma, malheureusement. Et, et après, Didier aussi a, est, est, est conscient, il est suffisamment malin et intelligent pour voir l'effectif le, qui va pouvoir être le sien, la génération qui, qui arrive. Il y a une vingtaine de, de joueurs qui ont aujourd'hui entre 18 et 21 ans mmh. qui sont tout, tout simplement extraordinaire. Donc être sélectionneur de l'équipe de France, ceux qui comme moi ont connu le métier d'entraîneur, mais il faut se mettre à la place de Didier quand, quand, quand il est content, eh bien c'est très bien et j'aurais bien aimé être à la place de Didier.